m'appelle Eric Thiémé, je suis de Hyères dans le Var. Bah, le spot de l'Almanard, c'est un endroit qui est assez fantastique pour la diversité de ses conditions. On peut avoir des journées, par exemple, pour faire de la vitesse par vent d'est, on peut avoir du freestyle sur le plat, on peut avoir des journées de slalom dans le clapot et on peut avoir un peu comme aujourd'hui, des journées de vagues. Comme tu peux voir là-bas, on a ce qu'on appelle le Petit Port, qui est un spot très orienté plutôt surf, avec des très belles vagues. Il est arrivé trois fois dans l'année, par exemple, qu'on ait eu taille de mât là-bas, avec une vague qui ouvre très bien. Alors c'est assez rare quand même. Hein. Et là, on a ce qu'on appelle le Rocher. On peut avoir des vagues un peu plus petites, 2 mètres 50 au plus gros, mais qui sont très radicales et qui permettent de sauter assez haut et qui ne sont pas trop mal à surfer. Rien à voir avec la coudou au niveau du sideshore. C'est plus side-on, mais ça marche très bien quand même. La population qui vient ici, c'est un peu le monsieur tout le monde. Bon, et le dernier endroit, c'est le Pasquier qui est situé au milieu. C'est un plan d'eau qui est là, side-shore par vent du nord, avec des très belles vagues, un peu douces, mais des très belles vagues, des bons tremplins. Donc on est quand même sur 5 km, on a une opportunité de vague qui est énorme. Bon bah salut, c'est Fanny Aubé, bienvenue à l'Almanard. Ça fait 14 ans, sur la plage de l'Almanard, on a monté le Funboard Center, qui est une école où on essaye de communiquer la passion de la planche à voile, qui est toujours aussi importante, tout au moins pour moi. Donc j'essaye de former des jeunes, j'essaye de leur apprendre et de leur communiquer ce plaisir qu'est la planche à voile. Et là, chez nous, là devant, là, t'es obligé de prendre du gros avec des gros faux choix. C'est parti. Such a pretty one.
je vais vous présenter le spot de la Bergerie. Ça se situe dans le Var, sur la presqu'île de Gien. C'est un spot relativement facile. C'est une grande plage de plusieurs kilomètres. Ça marche par très fort courant d'est, donc complètement onshore. Pour qu'il y ait des vagues, il faut que le vent soit très très fort. Un des meilleurs endroits, c'est ce qu'on appelle la badine. C'est quand vous regardez la mer complètement à droite, le long de la presqu'île de Gien, vraiment tout au bout, où là le vent tourne un peu, on peut sauter plus facilement tribord, voire bâbord quand c'est vraiment nord-est. Les vagues sont toujours un peu plus grosses, un peu plus espacées, donc un peu plus facile à naviguer et un peu plus agréable. Puis si jamais vous allez naviguer à la Bergerie, vous aurez certainement le plaisir de croiser la star locale, Eric Thiemet, qui navigue, qui rate pas un coup de vague chez lui sur son spot. Et vous croiserez aussi beaucoup d'autres locaux, avec notamment Alban ou Jérôme, qui sont un peu les gardiens du spot.